On est le 2 août. Et la sortie de Gustro a été, on dirait pas une catastrophe, mais assez épique. Demande à l'un, demande à l'autre, redemande à l'un. On croise des cyclistes, on se rend pas dans la bonne direction, on revient sur nos pas. Bon, finalement, une demi-heure plus tard, on est sur la piste. Et on n'a pas vu l'heure passer. Aujourd'hui, on a rencontré Martin, qui a été notre guide et qui nous a amené dans un magnifique atelier de Ernst Ballach, apparemment un sculpteur hyper connu ici en Allemagne de l'Est. On est ensuite allé au dôme, à l'église, pour voir trois de ses sculptures, dont une qui s'appelle Overin, qui est magnifique, qui a l'air d'un fantôme, un ange fantôme qui est au-dessus de la terre. En fait, c'était un monument commémoratif pour ceux qui sont tombés à la guerre de 14-18. Et puis, on est allé prendre un café et ensuite, on sort. Et là, on a encore 18 km à faire. Il est 6h26. On espère qu'on va y arriver. Louis? Oui, j'en suis certain. T'as besoin. J'ai un bon manteau, j'ai des pantalons, j'ai tout ce qu'il faut. On n'a pas de lunch! J'ai mon côte d'hiver! Oh!